Allez, on scène pour les derniers tours. Il y a moins de podium. Oh, j'en reviens pas, j'en fais un podium. Yeah.
on est passionné, ça y est, c'est fin de la course pour moi, ça y est. C'était une grosse journée, chaude, très chaude. J'ai roulé sur les 4 heures suivantes de la course, donc de 14h à 18h, voilà. Bien sûr, midi 14h, voilà, il fallait que je résolve ce problème de pneus coincés, de pneus qui frottaient, mais ça y est, j'ai trouvé mon problème. Voilà. Et j'en profite pour vous montrer voilà, la boutique de mon camarade Laurent Yannick, Yannick c'est son prénom, voilà, Laurent c'est son famille, voilà, avec la boutique de Rediffusion. Voilà. Donc lui aussi, comme moi, il est compétiteur, mais il a sa propre boutique, voilà, qui est ici. Voilà. Donc avec toutes ces pièces qui sont là, ils vont la pièce détachée. 90% c'est Solex, voilà. Moteur Solex d'origine. Donc voilà, de la pièce détachée. Voilà, beaucoup pour Solex, un petit peu pour Mobilette. Et voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette boutique, il y en a plein, il y a Café Solex, il y avait Six France. Il y a Solex Story 21, il y a Mobilex Paris, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça va me revenir, enfin il y en a plein. Bon voilà les passionnés, ça y est, c'est le moment des remises de prix, voilà, remise des prix. Donc on remet les prix aux mobilettes d'abord. Donc là, il y a le 93 qui a eu sa remise des prix. Et ensuite, c'est maintenant autour du 95. L'équipage numéro 122, TSN 23. Ah, il y a Team Solex Nouvier qui était aussi en mobilette. Voilà, Team Solex Nouvier. Voilà, qui sont troisième sur le podium en mobilette. Mobilette production. A noter, le pilote le plus vieux de la journée, le plus âgé, c'est GG et il a gagné. On peut le féliciter. On va passer à la catégorie électrique. Et le vainqueur de la catégorie électrique, le numéro 112, Steph Team. Ah, c'est bon les cadeaux. Top 15. Ah, ils sont généreux sur les cadeaux. Pas mal. On peut applaudir quand même. Des goodies, une coupe et un top 15. Voilà. On va récompenser aussi le seul et unique scooter de la course, l'équipage numéro 394, du team 394. Donc voilà, les vainqueurs, il y avait un scooter pour la course, pardon. On va passer à la catégorie mob amélioré et l'équipage qui est arrivé troisième, le numéro 15, Team Gasoline. Ah oui, alors donc les premiers mobilettes c'était les mobs production et là c'est les mobs améliorés, voilà. L'équipage qui est arrivé deuxième, la team 51, team Eddy Mob. Et pour clôturer la catégorie mob améliorée, l'équipage numéro 4, TSM 23, qui a gagné la course avec 197 tours. Ah, le team Solex Mouillet qui finit premier en mob amélioré. Ah, ils étaient pressés de partir, bon, ils reviennent pour la photo de groupe. On peut les applaudir. On va passer à la catégorie origine et c'est l'équipage numéro 131 qui remporte la course. Le Racing Team Passion Solex. On peut les citer parce que l'origine, je viens de discuter avec eux, ils ont fait 148 tours.
Bon, vous voulez féliciter, là, je vais vous entendre, là, c'est quoi ce bordel? Bon, c'est le seul équipage, mais voilà. Ils ont roulé plus vite que moi, voilà. On peut même noter qu'ils ont battu le record du tour dans leur catégorie. Mais quand je dis quelque chose, vous vous applaudissez ou vous regardez, là? On va passer à la catégorie origine améliorée. L'équipe qui est arrivée deuxième, le numéro 96, Solex Team Saint-Marc. Ah voilà, les concurrents, on était deux origines améliorées. Voilà où sont mes concurrents là. Ah bah les là. Et on va appeler le vainqueur de la catégorie origine améliorée, le numéro 140. C'est qui? Silence Team. C'est moi. Vinci. Yes, c'est bon ça. Le lot est juste derrière vous. Ok, ça marche. Merci. Félicitations. Merci, ça marche. Voilà. Allez. Ça marche. On va passer à la catégorie promo. La machine qui est arrivée. Qui est arrivé troisième, le numéro 91, SRT 16. On va passer au deuxième de la catégorie promo, le numéro 89, Rapide Tactique. Et on va applaudir bien fort les premiers de la catégorie promo, le numéro 57, Chetan Crew Promo. Ah, ah bah ça, les Bretons sont bons. Le barme breton, c'est une spécialité. Je parle pas du beurre, hein. le beurre breton. Bah tiens, quand je parlais de boutique tout à l'heure, vous avez Chris Berlingot, voilà. Christophe Schilbert qui a aussi sa propre boutique, Brace Solex, voilà. Et puis tout à l'heure, ça revenait aussi, il y avait l'atelier de la vigne, voilà. Donc il y a d'autres boutiques qui ne me venaient pas en tête, mais là, elles me reviennent. En plus de celle de mon camarade Laurent Yannick, voilà, Yannick du son prénom. Voilà. Donc voici le podium des promos. On va passer à la catégorie proto. Dans les proto, on va accueillir les deuxièmes de la course, le numéro 33 de l'équipage Play Sox. Oh, ça va pas, c'est une journée de merde. C'est une journée de merde. Et en plus, il fait un podium. Qu'est-ce que je comprends aussi, Beb, hein, quand tu regarderas la vidéo? Est-ce que quand ces journées n'est pas de merdique, c'est quand tu finis premier? Petit rigolo. Et on va accueillir les premiers de la catégorie proto, l'équipage numéro 90, les Dingos du Galet. Passer à la dernière catégorie, les super proto. Aujourd'hui ils étaient 17, c'était la catégorie la plus grande. Mais le troisième, c'est le numéro 2, le Cyclo Racing Team 23. On va appeler les deuxièmes de la catégorie super proto, le numéro 47 Solex Team Pinsac. Ils ont fait fort parce qu'il fallait batailler. Ils étaient plus nombreux. Comparé à moi où j'étais en origine avec un seul concurrent. C'était l'un ou l'autre. Finalement c'était moi. Enfin, de moi. Et les derniers que je vais appeler aujourd'hui, l'équipage numéro 5, RT Grandjoie. Ah, Sébastien. Bravo. Merci.
Ah, il est toujours, c'est toujours c'est un bon mécano. Hein. Sébastien, voilà. Sébastien du RTG, voilà. Ça, quand c'est stable, il a toujours, toujours fait des podiums parce que c'est un bon préparateur et un bon mécanicien. Et son comparse aussi. Bon, vu que le patron il veut pas me faire de mots, je vais le faire. Je vais remercier tout le monde, toutes les équipes, tous ceux qui sont venus voir la course, tous ceux qui l'ont organisé, la région, le département, la mairie. Tous ceux qui sont venus, on vous remercie énormément. Si ça continue de vivre, c'est parce que vous êtes là. Et on a hâte de vous voir l'année prochaine. À bientôt. Ouais. Bravo à l'organisation. Voilà. Bravo à l'organisation, bravo aux bénévoles, voilà. Je leur félicite beaucoup. C'était une superbe course, je me suis bien amusé, voilà. Donc voilà, et puis la sécurité au top. Bon allez, continue, parce que la soirée continue. Bon ben voilà les passionnés, ça y est, pour moi c'est fin de la course, donc j'ai tout remballé. Donc en fait nous sommes le lendemain, nous sommes le dimanche 31 juillet, voilà. Donc tout est chargé à la remorque. Voilà, en tout cas je remercie l'association Team Solex Parsac ainsi que ses bénévoles pour cette animation, enfin pour cette course, voilà. Malgré moi que mon côté, j'ai eu des difficultés avec mon garde-boue qui freinait au pneu et ça m'a permis du temps sur la course. Donc je n'ai démarré qu'à 14h la course, mais après sur la suite je me suis amusé, comme vous l'avez pu voir en vidéo embarqué, voilà, sur mon casque. Et puis en tout cas voilà, donc moi je me suis bien amusé, j'ai remporté des goodies, je vous la montre à la fin de la vidéo, voilà, après cette conclusion. Et je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.